Salut à tous les automatistes youtubeurs, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode d'Air Info, on peut commencer tout de suite. Delta, pour ceux qui ne savent pas, c'est une compagnie américaine. Un programme transatlantique d'été 2024, et oui déjà, encore plus fourni et de nouvelles destinations. Et oui, donc cette compagnie aérienne, vous avez vu, hein, Delta commence déjà à préparer son programme pour l'été prochain déjà. Delta Airlines a annoncé un programme d'été 2024 transatlantique encore plus fourni que celui de cette année, avec de nouvelles destinations comme Milan en Italie ou Shannon en Irlande. Après un été record outre-Atlantique, les clients de Delta peuvent s'attendre à encore plus d'opportunités d'explorer des endroits recherchés à travers le monde l'année prochaine, indique le partenaire d'Air France KLM sur cet axe très rentable. Depuis les hubs à travers les États-Unis, les voyageurs peuvent choisir entre la ville riche en histoire de Naples en Italie, le paysage luxuriant et verdoyant de Shannon en Irlande, le paysage pittoresque de Zurich en Suisse et bien d'autres destinations mémorables. Il n'y a jamais eu de meilleur moment pour explorer l'Europe sur Delta, a déclaré Joe Esposito, vice-président principal planification réseau. Et les clients qui envisagent des aventures estivales à l'étranger trouveront de nombreuses options inspirantes, associées aux services et commodités haut de gamme que les clients de Delta apprécient. Delta est le plus grand transporteur vers l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient depuis son hub de JFK, donc JFK c'est l'aéroport de New York, et exploitera près de 260 vols hebdomadaire l'été prochain vers 18 pays et 29 destinations dans toute la région. Pour la première fois, Delta connectera ses clients avec un service sans escale depuis New York vers l'ancienne ville de Naples en Italie, porte d'entrée de la côte amalfitaine. Ah. Et de sites populaires comme le Mont Vésuve. Le nouveau service quotidien de Delta vers Naples, à partir du 23 mai 2024, complète le service existant de la compagnie aérienne vers Milan, Venise et Rome. Delta reviendra également à Shannon, en Irlande, depuis New York, à partir du 23 mai. Exploité pour la dernière fois en 2019, ce service sans escale, rejoint par les vols existants de Delta vers Dublin, y compris le service récemment. Ah mais elles sont énervantes les pubs. Le service récemment annoncé vers la capitale irlandaise depuis Minneapolis-Saint-Paul. Pour compléter les nouvelles offres transatlantiques de Delta au départ de New York l'été prochain, un vol sans escale vers Munich en Allemagne sera opéré 3 fois par semaine à partir du 9 avril 2024. Les clients de Delta peuvent également rechercher encore plus de vols d'Atlanta vers Paris et Venise cet été, alors que la compagnie aérienne augmente ses vols hebdomadaires vers les deux principales destinations. On notera aussi que Delta est le seul transporteur à proposer un départ matinal depuis New York vers Paris. Pour les clients Delta souhaitant visiter la Suisse, Delta proposera à nouveau un vol sans escale d'Atlanta à Zurich. 4 fois par semaine à partir du 31 mai 2024, s'ajoutant auprès de 180 vols hebdomadaires vers 21 destinations en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient depuis la ville natale de la compagnie aérienne. Pendant ce temps, sur la côte ouest des États-Unis, le vol quotidien sans escale entre Los Angeles et Auckland en Nouvelle-Zélande, qui débute le 28 octobre 2023, s'étendra à un service toute l'année, opérant quotidiennement de novembre à mars et 3 fois par semaine d'avril à octobre. Delta augmentera également le service de Los Angeles à Sydney en Australie à 2 fois par jour à partir de décembre prochain. Après le service hivernal vers Shanghai en Chine, depuis Seattle et Détroit, Delta reprendra également un service 4 fois par semaine toute l'année vers l'aéroport international de Shanghai-Pudong,
depuis son hub de Los Angeles à partir du 31 mars 2024. Cette route précédemment exploitée permettra aux clients de Delta de se connecter facilement à de nombreuses autres villes de Chine grâce au partenariat de la compagnie aérienne avec China Eastern Airlines. Delta dessert 13 villes internationales depuis Los Angeles, dont Paris, Londres, Tokyo et Sydney, et depuis un vol Delta Skyway récemment achevé à Los Angeles. Le projet Delta Skyway de 2,3 milliards de dollars à l'aéroport international de Los Angeles s'est achevé plus tôt que prévu après que la dernière phase majeure a été dévoilée par Delta Airlines et Los Angeles World Airport. Révélé pour la première fois en 2018, un an après le déménagement de Delta des terminaux 5 et 6 vers les terminaux 2, T2 et T3, donc tout ça c'est à l'aéroport de Los Angeles, hein. Le projet Delta Skyway a modernisé et connecté ces deux derniers terminaux, la dernière phase fournissant une connexion directe depuis le terminal 3 au terminal international Tom Bradley. Donc tout ça c'est à l'aéroport de Los Angeles, hein. Les clients de Delta peuvent également rechercher encore plus de vols vers certaines de leurs principales destinations l'été prochain, notamment des vols supplémentaires vers Paris au départ de Cincinnati et de Détroit, à Barcelone depuis New York, à Reykjavik depuis Détroit et à Athènes depuis Boston. Loire-Atlantique. Un avion s'écrase au sol, le pilote meurt. Un aéronef de type ultra-léger motorisé, un ULM, a chuté dans un champ samedi 23 septembre 2023 à Blain, en Loire-Atlantique. Le conducteur de l'appareil est décédé. Samedi 23 septembre 2023, vers 10h36, à Blain, une ville en Loire-Atlantique, au lieu-dit La Cornière, les sapeurs-pompiers sont intervenus après une chute d'aéronef de type ultra-léger motorisé, un ULM, dans un champ, rapporte le service départemental d'incendie et de secours de Loire-Atlantique, 10-44. 300 foyers et commerces privés d'électricité. La gendarmerie nationale, la brigade de transport aérien, un Héli-SMUR et une élue municipale se sont rendus également sur place. Lors de la chute, une ligne de 20 000 volts a été impactée. 388 foyers et commerces sont actuellement privés d'électricité. Voilà, c'est tout pour cet article. Partons maintenant en Corse, à Ajaccio. Un avion de tourisme avec 3 personnes à son bord atterrit en urgence dans un champ. Victime d'un problème moteur, un avion de tourisme s'est posé en urgence dans un champ à proximité de l'aéroport d'Ajaccio ce samedi 23 septembre. Les 3 personnes à son bord ont été retrouvées saines et sauves. L'incident s'est déroulé aux alentours de 16h ce samedi 23 septembre. Un avion de tourisme s'est posé en urgence dans un champ à proximité de l'aéroport Napoléon Bonaparte d'Ajaccio. L'appareil aurait subi un problème moteur selon le service d'incendie et de secours de Corse du Sud, l'empêchant d'atterrir sur la piste. Les 3 personnes retrouvées saines et sauves. 3 personnes, 2 hommes et une femme, se trouvaient à son bord. Un temps recherchées par les sapeurs-pompiers, elles ont finalement été retrouvées saines et sauves. Leur état de santé n'a pas nécessité de transfert à l'hôpital. L'avion n'a par ailleurs pas été endommagé lors de l'atterrissage d'urgence, précise le 6-2A. Le Niger interdit de nouveau son espace aérien aux avions français. Le régime militaire au pouvoir au Niger a, depuis samedi soir, interdit son espace aérien aux avions français qui restent ouverts à tous les vols commerciaux nationaux et internationaux à l'exception des avions français ou des avions affrétés par la France, dont ceux de la flotte d'Air France, précise un communiqué de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique. Le régime militaire qui a pris le pouvoir au Niger a interdit son espace aérien aux avions français, selon un message aux navigants aériens consulté dimanche 24 septembre sur le site de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar. L'espace aérien du Niger est ouvert à tous les vols commerciaux nationaux et internationaux à l'exception des avions français
ou des avions affrétés par la France, dont ceux de la flotte d'Air France, précise ce texte daté de samedi soir. L'espace aérien reste fermé pour tous les vols militaires, pour tous les vols militaires opérationnels et vols spéciaux, sauf autorisation spéciale des autorités, poursuit le message sur le site de la CESNA. Interrogé par un journal qui s'appelle l'AFP, Air France a indiqué ne pas survoler l'espace aérien du Niger. Le 4 septembre, le Niger avait rouvert son espace aérien pour les vols commerciaux après plus d'un mois de fermeture. Le Niger a annoncé le 6 août sa fermeture face à la menace d'intervention qui se précise à partir des pays voisins, alors que la communauté économique des États d'Afrique et de l'Ouest menaçait d'intervenir militairement pour rétablir le président élu Mohamed Bazoum, renversé par un coup d'État le 26 juillet. Relations toujours tendues. Depuis le coup d'État, la France répète qu'elle ne reconnaît pas la légitimité des militaires qui ont pris le pouvoir et que son interlocuteur reste le président élu Mohamed Bazoum, retenu prisonnier depuis le 26 juillet. La France a affirmé plusieurs fois son soutien à la CEDEAO et les relations entre Paris et Niamey sont au plus bas depuis le putsch. Le régime militaire a notamment ordonné fin août l'expulsion de son ambassadeur français à Niamey, Sylvain Ité, et lui a retiré son immunité et son visa diplomatique. Mais ce dernier se trouve toujours en poste à l'ambassade. Voilà, c'est tout pour cet épisode d'Air Info. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve demain pour un épisode de La Vie de Matisse sur ma chaîne Nathalie Favry. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve demain. Allez, bye bye tout le monde. Cheers to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all